Ces miroirs ont l'air importants. Essayez d'utiliser les miroirs pour rediriger la lumière, non ? Faut rediriger la lumière à travers la pièce. Ça donne pas grand-chose. Encore deux. Dis-moi, on va devoir grimper sur ce truc? Je crois que je vais devoir monter sur ce truc. Faut monter pour mieux voir. Fais attention, Drake. Ça me paraissait être une super bonne idée d'en bas.
Il y a d'autres réflecteurs là-haut. Chloé ! Ouais. Réoriente le réflecteur. Je m'en occupe. Bien joué. Ok, maintenant ? Attends. Ça marche. Ouais, c'est bon pour celui-là. Je crois qu'on a ouvert un nouveau passage. Sur ta gauche, Nate. Ok. Allez. Plus qu'une et c'est bon. Regarde pas en bas, regarde pas en bas, regarde pas en bas. Attention! Et comment je vais l'ouvrir cet œil, moi? Faut
Faudrait ajuster l'autre réflecteur. J'y vais. Voilà, c'est bon. J'ai réussi. J'arrive. Alors, le secret de Shambhala est caché dans la gorge de Strix ? Faut croire. Je l'ai. Chloé, je sais où ça se trouve. C'est juste là. Tu vois la forme de ce pic ? Le voilà. Ça veut dire... Prête-moi ton dos. Ça veut dire... L'entrée de Shambhala doit être juste... là. Alors, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Oh merde. Ça tue l'ambiance. Il y a qu'une seule issue, t'es prêt ? Allez. Il est là.
On a eu chaud. Allez, on se tire! Grouillons-nous! Ça pourrait être utile. Je l'ai!
en bas. Ils sont en bas. Nate, éloigne-toi de là. Tout ce qu'il fallait. Oh merde! Mais où sont-ils? J'en étais sûr. De continuer. Il est touché. Ça va, je vais bien. Fais voir. Bon, tu vas t'en sortir. Allez, tu peux te lever? Je crois, ouais. Bon, allez, je vais t'aider. Attention! Non, 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 oublie ça. Elle est foutue, de toute façon. Allez, debout, hop. Nate! Il va bien. Pas vraiment, gros. Allez, ouvre-moi cette porte. Il va jamais y arriver, il faut le laisser là. Quoi? Non! Ouvre cette porte, Chloé! Tu vas tous nous faire tuer! Allez, mort. Ils sont là! Allez! Vas-y, Nate! Te couvre! Elena, barricade la porte! Je l'ai! Allez! Nate, ça va pas le faire. Vite! Oh! Oh, ça, enfoiré! Je crois que c'est bon. Oh! Plus vite, plus vite! Allez, Jeff, accroche-toi! Allez, Nate! Ça va aller, Jeff. Tu vas t'en sortir. Reste avec moi. Allez, par là! Ouvre la porte! Là-bas! Elena! Après ça, on aura tout vu ensemble, hein? Hein? Oh, merde! Ça va aller, on peut sauter. Pas lui? Il pense même pas. On n'a pas le choix. Non, je peux pas. Nate? Allez, Jeff.
Ok. T'as essayé, mais c'est foutu. Il peut pas aller plus loin. On peut pas le laisser mourir ici. Il est déjà à moitié mort, et on le sera aussi si on part pas maintenant. Eh ben vas-y. Ouais. Personne te retient. Chloé. J'essayais de sauver ta peau, espèce d'idiot. Chloé ? Par là-haut ! C'est quoi ça ? Tout là-haut ! Désolé. Posez vos flingues. Je suis très sérieux. Occupez-vous d'elle. Elle est blessée. Emmenez-la au train. J'arrive pas à y croire. Tu peux pas t'en empêcher, c'est ça ? Eh ben, comme ça, on y quitte. Pas vraiment. Alors, cet avorton, c'est Drake. Vous l'avez transporté à bout de bras depuis le temple. Dommage. Bon, dites-moi, vous avez trouvé quoi dans le temple ? La réponse que vous cherchiez. Ok ? Je sais où est la pierre, mais vous ne la trouverez pas. Pas sans moi. Alors, laissez-la partir et je vous y emmènerai. Ah, ma jolie. Vous êtes la reporter qui m'a ciré les pompes. Vous feriez bien de prier pour qu'il ne bluffe pas. Fouillez-le ! Allez. Ça, c'est génial, Nate. Tiens. Vous n'avez vraiment plus rien à négocier, monsieur Drake. Retour à la zone de transit, préparez-vous à bouger. Toi, viens avec moi. Toi, occupe-toi d'eux. Pas de problème. Comment tu peux bosser pour ce monstre ? Vaut mieux être son ami, chérie. Alors ça y est, tu vas tous nous descendre de sang-froid. Je dirais bien, qu'est-ce que t'en dis ? Debout. J'ai dit debout ! Cours ! Arrêtez-les ! Par là ! Go, go ! Espèce de salaud ! Tu n'iras pas loin ! Tout va bien ? Ouais. C'est bon, continue ! Ils sont vraiment très près, mate ! Attention ! Elena, continue ! Jamais dû te mêler à ça. C'est pas toi. C'est moi qui ai décidé de venir. Non. Je veux dire, tu sais, tout le reste. On connaissait les enjeux. Oh. Ok, donc... qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais la chercher. Ça va de soi, après tout. Va la chercher. Flynn a dit quelque chose à propos d'un train. Ils ont dû l'emmener vers des chemins de fer, ici. Ça devrait être par là, après ce château d'eau, là. Nate, elle a pointé un flingue sur nous. Je sais. Elle aurait pu appuyer sur la détente, ils lui ont pas laissé le temps.
C'est pas si simple. C'est ça. Flynn savait qu'elle était avec moi. Si Lazarevitch découvre qu'elle les a doublés, tu sais ce qu'il lui fera. Ouais, je l'ai déjà vu à l'œuvre, ouais. Alors tu sais que j'ai pas vraiment le choix. Le code d'honneur des voleurs, c'est ça? En quelque sorte. J'espère seulement que tu sais ce que tu fais. J'en ai pas la moindre idée. C'est bon de savoir que certaines choses restent comme elles sont. Ok, en route. Quoi? Non, 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 non. Tu viens pas avec moi. Nate. La ferme. Ok? Il y a un train qui nous attend. Voilà le château d'or. Juste derrière.